Ça va devenir un gros mime. Alors. Bon, on est prêt. Ouais, je vais te muter, je pense. La merde, BattleTech. C'est de la grosse merde. Sur les... Moi, c'est les commentaires de... Parce que j'ai remis une partie du live sur YouTube. Les commentaires, ça a commencé déjà. Ouais, t'aimes rien. Bon. Bon, ben, j'aime rien, alors. Ben, j'aime rien. Ça recommence avec les cloches déjà, putain. Et merde. Le chaos s'évanouit. On était encore... contaminé apparemment. Ah, les cloches. J'aime rien à part MGS. Et God of War, c'est ça. C'est plutôt ça, je devrais leur dire ça aux gens. Je devrais dire, non mais j'aime bien Metal Gear Survive. Voir un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils répondent. Ils vont sûrement me jeter des pierres. Ou des lances. Non, quel con. Ah. 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 Je fais la roulade dans la mauvaise direction en fait. Ouais, mais attends. Putain, je t'ai dit d'attendre, bordel de merde. Oh, fais chier, il m'a vu. Ça va? Bouge pas, je suis en ami. Je suis en ami. La faux. Yes. Allez, ça y est, ça commence. Même pas besoin de roulade sur le pont. Non, mais parce que je voulais passer derrière. Je vais faire une roulade côté en fait. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Bon, on va se casser. Non, j'ai envie de récupérer l'objet qu'il y a au fond là. Vu que j'ai fait une connerie, autant autant le faire au maximum quoi. Il n'y a pas un objet là-bas? En fait, il n'y a rien, d'accord. Coldo, il a fait un truc, il copie et colle. Mais Goldo, c'est un bot. C'est mon nouveau bot. Le son est pas trop fort du jeu? Non, non, ça va. Okay. Non. Je crois qu'il était trop fort. Putain, on peut pas accélérer la montée là, comme dans le 3 de pêche. Merci. C'est reparti. Très fort, mais toi, ok, ça marche, merci. Merci bien. On m'a dit que j'aimais rien, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Qu'il était pas si moche. Ok. Que ça valait les 40 euros.
Ouch. Je sais pas. Je sais pas, pour 40, tu rajoutes 20 à Red Dead Redemption 2, par exemple. C'est... Je sais pas. Yeah, on a récupéré nos âmes d'hier. On a récupéré nos âmes d'hier. Y a pas un passage? Ah oui, c'est là. Merde. Je crois pas qu'il va être sur PC. Enfin, il va sûrement être sur PC, mais plus tard, je pense. Red Dead Redemption 2. Merde, y'a quelqu'un. Je crois qu'il y a des objets à récupérer sur les côtés, non? Putain, qu'est-ce que ça grésille pour moi, c'est relou. Bizarre. C'est vrai que ça serait un peu chiant qu'il se... Qu'il se serve pas du marché pour la version PC, quoi. Ça serait un peu chiant. Ah putain, casse-toi Windows, ta gueule. Bon, ben là. J'ai récupéré le revolver d'or lié à Red Dead Redemption pour le débloquer sur Red Dead Redemption 2. Quoi ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles, Gull ? Je comprends pas. Où ça ? Sur quel jeu ? Ah, sur GTA Online, ok. Donc t'as déjà des armes. T'as déjà des jeux où c'est que tu peux débloquer des choses pour le jeu qui va arriver. Putain, faut chier à faire ça. Mais ça, du coup, ça va marcher que pour la version PS4. Go. Eh, la boule. Ah bah là. Bah dans la version PC, ça va sûrement servir à rien. C'est le troisième jour, ça va. Ah oui, il n'y a pas le truc qui va m'écraser là. Ouais. Oh la vache. Alors, toi... On est où là? Oh la vache.
Anneau droit devant. Je me rappelle plus de ce qu'il y a là. Il y a rien en fait. Il y a rien. Ah si, si, PC quand même. Bon bah tant mieux. Tant mieux alors. Le pouce bleu. Pas oublier le pouce bleu. Je suis perdu, je me rappelle plus exactement où sont les objets ici. Je crois qu'on va aller juste juste au sommet puis basta. Merde. Oh. Oh. Oh là là. Ah voilà. Ouais, il faut détruire la. Et je crois que c'est pour les âmes, non? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Ah non, c'est pour trouver des objets. Oh. Bah, du coup, il y aura des mods, ouais, ça peut être sympa. Ça serait bien qu'ils ouvrent les mods, parce que ça permet de faire des nouvelles quêtes, genre sur Fallout 4, tu peux y jouer théoriquement indéfiniment, hein, grâce au... Ok, c'est un fantôme. Grâce au... aux missions et aux quêtes que les gens ont créées, donc ça c'est sympa. Donc avec Red Dead Redemption 2, ça peut être sympa. Bon allez, on monte parce que là ça commence à me gaver, je fais du... Merde. Je fais du sur place. Voilà. Ah putain, faut tout passer d'un coup. Ok. Reste en haut, reste en haut. Yeah. Itch. Non, après, pas de mode pour le 1, pas besoin. Pour le multi. Ah non, on vient de se faire envahir, fais chier. Ok. Vive la connexion serveur, apparemment. Vive la connexion au serveur, c'est cool. Ah non, trop. Oh le boulet. Oh le boulet. Quand j'ai fait la roulade, je me suis dit, la roulade est pas bonne. Oh putain. Ah le gros boulet.
première fois que je crève comme ça. Oh putain, poulet. Merci, ça me fait plaisir. Non mais ça c'est parce que les roulades elles sont en 60 fps, c'est pas ma faute. Ça rend la chose beaucoup plus dure. Vous avez pas idée. Oh putain! Qu'est-ce que... Oh la vache, y en a combien? Bonsoir phrase, bienvenue. Oh mon dieu. Les nouveautés c'est que 60 fps c'est trop chiant. Parce que les roulades elles vont trop vite. Pour parer c'est chiant. Merde. Ah. Non, je déconne. Ah non, pas de nouveautés. De nouveautés, hein, sinon. Non, c'est pareil, hein, pareil au même. Il y a des petites. Allez, je vais pas faire ma mauvaise langue. Il y a des toutes petites. Non, pas améliorations, des changements, on va dire. Des tout petits changements. Du genre, on peut directement aller à l'estus si on maintient bas, par exemple. Ça, c'est un des changements. Et on peut changer de serment au feu de camp. Voilà. Mais basta, quoi. Et il y a du sang. Avant, il n'y avait pas de sang. Bien sûr, ouais, il y a le DLC, évidemment. Putain, je suis bloqué. C'est bon. Merde, par où? Je me suis perdu. Ah oui, non, faut remonter. Non, faut descendre. Non, faut monter. Pour 40, non, on peut passer à côté, ouais. Après, si tu as... si tu le prends sur PC, que t'as... la version Prepare to Die. Genre si t'as le premier Dark Souls sur PC, tu l'as à moins 50% celui-là. Donc 20€, ouais. Allez, 20€ c'est cool. 20€, ouais. Mais sinon... Déjà fait sur PS3, ouais, bah. Après moi ce que je vais faire surtout c'est du PVP de toute façon. Là je m'amuse à le refaire vite fait pour voir un peu les améliorations et tout. Enfin les améliorations. Les petits changements, puis après je vais faire surtout du PVP et puis basta. Hein. Non, c'est bon. Bon, on évite de faire la même connerie cette fois. Ah, ça va, elles sont la maison. Voilà. PVP, c'est pas ce que je préfère. Bah, c'est bon alors. Ouais, pas besoin du jeu. Franchement, pas besoin du jeu. Pas besoin du jeu du tout.
Merci Lucie. Je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y a un anneau à récupérer, non? Mais il faudrait descendre. Je vais me jeter, je sais plus ce qu'il y a. Ciao. J'ai dit ciao, merci. Je vais me jeter, on va voir ce que ça donne. Ou alors c'est pour revenir au début tout simplement. Bon, pour revenir au début tout simplement. Ouais, déjà fait Demon's Soul. Un truc qu'on va faire par contre c'est ça. Alors, on va faire ça, modifier tri, os du retour et on va le mettre... comme ça. On va le mettre au début. Voilà, comme ça, hop. Ça aussi c'est con ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû mettre le... Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle la trousse d'urgence ou un truc comme ça dans Bloodborne. Et ça y est aussi dans Dark Souls 3, ils auraient dû le mettre. Genre quand on fait pause, enfin quand on va dans le menu, il y a 5 objets qu'on peut mettre, qu'on peut choisir. Ils auraient dû faire ça dans le premier. Ils auraient dû le rajouter. Ça aurait pu être vachement bien. Prends ça. On va aller combattre Monsieur Muscle. Oh. C'est pas bien. On va aller récupérer la rapture de Richard, je crois. C'est Richard? Lequel des Souls que je préfère? Non, j'ai pas, je l'ai pas fait sur sur la chaîne Demon Soul. Je sais pas trop. Faudrait que ça soit un mix. Genre fluidité du 3 avec gameplay du 2 avec les magies et les armes qu'on peut porter à deux mains. Et l'univers du 1. Ça sera un putain de mix. Mais ça me plairait. Après non, je pense pas que j'ai vraiment un... par défaut je vais dire le 3. Parce que c'est celui-là qui est le plus abouti niveau gameplay on va dire. Mais même ça par exemple la balance, le fait de porter des grosses armures, ça fait rien du tout dans le 3, j'aime pas. Donc ouais non, j'en sais rien. Franchement j'en sais rien du tout. Troisième jour, frappe encore avec offert un abonnement à Lucie. Merci beaucoup, troisième jour, et bienvenue Lucie. Merci beaucoup, troisième jour. Ça fait très plaisir. Ça me fait très très plaisir. Ce mois-ci, je pourrais m'acheter un coca. Et notification marche, je suis content. Gueule l'explosion. Maintenant tu as une étoile, Lucie. Tu as une jolie étoile et peut-être qu'un jour on pourra avoir les... Oh yes! On pourra avoir les icônes, j'espère. Comme ça faut parler à Jean-Pierre Twitch. Je vais me rename en Balls de Nana. Quoi? Blast de Nana? Super. Go along, try and make... Je crois pas que j'ai besoin de grand chose ici.
Bouclier de Baldur. C'est celui-là que je voulais, parce qu'il est vachement bien. Et puis c'est tout. There's nothing more to say. Let me give you a... Dis que t'es un trans, peut-être marcher. Demon Soul, moi perso j'aime pas, hein. Je suis pas fan du tout. Hein. J'aime pas le côté où c'est que quand tu meurs, t'as le monde qui s'assombrit, etc. C'est très très chiant ce système, hein. C'est extrêmement chiant. Moi, c'est ça qui m'avait gêné quand j'y avais joué la première fois. Il y a des événements qui se produisent que quand le monde est complètement sombre. Il y a des événements qui se produisent quand le monde est complètement lumière, là. Ou je sais plus comment ils les appellent. Ils appellent ça. Ça, c'est extrêmement chiant. Clé de la cage, non on en a pas besoin. On va appeler Tarkus. Ah il faut que je me mette en humain, merde. Chier. Yeah. Voilà en premier. Hop là. On va appeler Tarkus. On va voir Tarkus en 1080, 60 fps. On va voir un peu. S'il arrive à défoncer le géant. On va voir ce que ça donne. T'es sérieux, troisième jour? Offert un abonnement à Phrase 66. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Je sais même plus quoi dire du coup. J'ai tout d'un Discord. Faudrait qu'ils soient tous abonnés. Non, je déconne. En tout cas, merci infiniment. Pourquoi y'a pas eu là? You're pretty good. Putain. Un kebab avec un coca pour le coup. Non, moi j'arrête les kebabs, ça fait grossir. Un Happy Meal, ouais. C'est mieux. Yes. On a besoin de l'activer. Oui, il faut l'activer, ouais. Bonjour. Au revoir. Et toujours en vie. Ils ont changé le kick. Ils ont changé l'animation du kick dans le remaster. Regardez, c'est très 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 léger. Hein. Mais avant c'était... En fait c'est comme si vous défoncez une porte avec votre pied. Vous allez pas taper avec... les doigts de pied, hein, on va pas mettre le pied vers l'avant. Hein, on est d'accord. Mais là, en fait, ils ont... Merde, putain. C'est super de le faire au bord d'un précipice aussi. Mais le kick, ils l'ont changé. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Super étrange. Ah, putain. On va plus le faire. Eh merde, bon, vous l'avez vu, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Salut Orion, bienvenue. C'est un kick de ninja, un kick de ninja, c'est legit. Ça, je sais pas si c'est legit, mais je vois pas pourquoi ils ont changé ça. C'est peut-être une erreur, je pense.
Est-ce qu'on prend... Non, on va pas prendre Tarkus maintenant. Quoi qu'on pourrait. On va prendre Tarkus maintenant. Oh mon dieu, des bites. Oh mon dieu, des bites. Tarkas. Ah oui, c'est vrai que c'est Tarkas en français. Si t'es jaloux, ces filles. Je suis pas jaloux, moi, je suis pas un homme jaloux. Merci beaucoup pour les 500 grosses bites. Là, on en a 500 000 euros quand même, hein. C'est pas mal. Hein. 500 000 euros, c'est pas, c'est sympa. Merci beaucoup. T'as pas vu l'option pour jeter des kunai avec le kick? T'as pas... Ah, non. Ça aurait été bien. Tarkus! Allez! Oh merde! Bien joué, Tarkus. Yeah! Ah, Gisèle, salut! Ça va? Ça fait longtemps, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a lui à tuer, mais ça sert à rien, je crois. Non, on va se casser. Ça fait trop longtemps, oui. C'est vrai. Je suis d'accord. Des retrouvailles chaleureuses. Allez, à toi! Yeah! Vas-y, parce que... Ouais, c'est bon. Fou! Yeah. Oh, il a l'air d'être encore plus vénère qu'avant, Tarkus. Très agressif. Ah, attention. Wow, très très agressif. On y est presque, fais-le tomber. Arrête de te protéger, fais-le tomber. Ah. Eh oh. Eh oh. Qu'est-ce que... Ah. Genre il est tellement loyal. Enfin il a tellement d'honneur qu'il s'est dit eh, le truc il est en train de tomber, je vais m'arrêter et je vais pas le combattre, je vais attendre qu'il se remette sur les pieds. C'est ça, c'est pas mal ça. Oh bien. Ça y est, Tarkus ne rigole plus. Ne rigole plus. Yes! Oh! Bien joué, bien joué. Est-ce qu'il va le finir? Oui! Toujours aussi bon. Bien, 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 bien. Ah, je voulais le faire. Attends, je voulais faire... Je voulais faire... J'ai pas tapé dans mes mains. J'ai pas l'animation de taper dans mes mains. Ok. Ah, ça alors. Yeah. Combat épique. Ah, c'est cool. Le combat ultra épique. Tarkus est toujours un monstre. La première fois que j'avais joué à Dark Souls, bah il y a des années maintenant, j'avais fait armure de Tarkus tout le temps et j'avais une grosse épée et je jouais que comme ça. Et après j'ai changé pour l'armure des géants. Je faisais tout en grosse armure en fait. Anor Londo. Salut Eric, bienvenue. Ça va? Atteindre Anor Londo. Sont où les jumelles? Jumelles! Merci. Yes. Yes. Yes.
Yes, ça a pas changé, yes. Moi, je veux aller là-bas. Armure de smog. Ils auraient dû refaire les textures, genre, mais vraiment les refaire avec plus de détails, parce que c'est un peu... Ça fait un peu délavé quand même. Enfin, je sais pas. Ça fait très très délavé. Mais bon, ça reste un Orlando, c'est classe. Ouais, c'est leurs armures que après j'ai commencé à utiliser. Armure complète, c'était tout. Top. Ah, ok. J'ai hésité, je me suis dit, tiens, ils sont gentils. Oh putain! T'aimes pas lâche. T'aimes pas lâche. Ah ouais, mais là, on va se faire envahir à mort, non? Oh putain de merde. Attends, attends, attends. D'abord, on va aller au feu de camp, alors. Oh la vache. D'abord le feu. On va voir les gros seins de Guinevere en HD 60 FPS. Putain, ça tue. Salut Saphir. Bienvenue. Yes. Après, elle, on va la... Après, on va tuer... Ah oui, non, si je tue Gwendoline, je vais plus pouvoir faire son serment. Merde, ah, fait chier. Là, on verra ça. On verra ça. On va aller ouvrir les coffres. Ok. Waouh. On n'a même pas entendu le son de l'explosion, quoi. Oh merde! Comment la hache elle est passée à travers? Putain. T'as la hitbox là. Tu vas pas me dire que le truc il est pas assez gros quand même. Ouais, la lune noire. Je sais plus comment ça marche son serment à Gwendoline. On est invoqué en esprit bleu, je crois, pour tuer les ceux qui ont péché, c'est ça? Je crois que c'est ça. Allez, on vient. Ça fait pas... C'est quoi ces bombes qui font pas de bruit? Wesh. Macha. Tac. Ah non, 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 non. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Merci. Je crois que c'est un mimique là, ouais. Un des deux. Ah, vu l'étage 200, c'est sûrement celui-là. Allez, go. Viens ici. Viens ici, salope. Elle marche bien cette hache en fait, hein. Elle marche super bien.
Ah, ils ont créé des bombes silencieuses apparemment. Bizarre. Peut-être qu'à chaque fois j'étais trop loin, mais ça m'étonnerait. J'étais apparemment trop loin. Étrange. Bon allez go. On va faire on va faire la gargouille. Et c'est eux qu'ils ont rajouté un feu de... Ah oui non, ils ont rajouté un feu au forgeron là. Dans les... Avec les squelettes. Vous savez, je me rappelle. Merci. Trop d'effets, je vois rien. Oh comment t'es relou. Oh comment t'es lourd. Soigner. Non, reviens, reviens, reviens. Quoi? Dark Souls Remaster a cessé de fonctionner. Terrible. Terrible.